L'ONG Nonobis est à la recherche d'ordinateurs portables pour la République de Guinée. Depuis près de 15 ans, le couple de Haut-Savoyards, à l'origine du projet, se bat pour apporter aux populations rurales des outils pour améliorer leurs conditions de vie. Que ce soit pour l'environnement, la santé, la nutrition ou encore l'éducation, ils font appel à différents dons. La collecte d'ordinateurs portables vient d'être lancée. On écoute Sylvie Clapasson, directrice de l'ONG, au micro de Clémence Roaldès. Pour se connecter sur l'informatique, pour apprendre, avoir les bases, eh bien, il n'y a rien du tout. Nous sommes dans des villages reculés où vraiment il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est très difficile pour les jeunes d'avoir accès à l'informatique qui pourtant leur sera indispensable à terme pour trouver du travail. Des ordinateurs portables, il y en a une quinzaine depuis 4-5 ans. Donc je ramène au fil de nos voyages, quand nos enfants viennent à Noël, on leur donne dans les valises pour permettre de les ramener. L'objectif, c'est à travers une collecte de personnes ici qui ont un ordinateur qui ne se servent plus, qui n'est pas trop âgé, quand même au niveau des versions du système, qui a une batterie suffisamment performante, même si elle n'est pas très très chargée, s'il faut la charger régulièrement, ça on peut le faire avec des panneaux solaires, mais voilà, ça c'est le profil et c'est vraiment très utile.